Des jeux de société pour Noël? Mais quelle bonne idée! Mais que choisir? On est là pour vous aider. Pour faire plaisir à un membre de la famille, jetez-vous sur Captain Flip. Piochez une tuile dans le sac et choisissez de flipper la tuile ou non. Si vous le faites, pas de retour en arrière. Le pirate ira à bord de votre navire, même s'il ne vous plaît pas. Mélange de bingo et d'agencement de tuiles, c'est le jeu parfait pour mettre tout le monde d'accord. Un cadeau à faire à un pote? Choisissez The Gang. Le poker, vous connaissez? Et bah ici c'est pareil, mais en coopératif. Chacun possède sa main de cartes, et sans communiquer, vous devrez faire comprendre à vos coéquipiers que c'est vous qui avez la meilleure combinaison ou la moins bonne. Très fun, vous allez enchaîner les parties jusqu'au bout de la nuit. Parce que les enfants aussi ont le droit d'avoir des cadeaux pour Noël, ils craqueront pour Opération Noisette. Construisez un arbre en 3D et planquez vos noisettes à l'intérieur. Mais attention, votre arbre est un vrai gruyère et si les noisettes s'en échappent, le bruit réveillera la belette. Soyez agile et tendez l'oreille pour gagner tous ensemble. Si vous voulez marquer des points auprès d'une personne passionnée, offrez Château Combo, un jeu super élégant où vous devrez récupérer des habitants afin de constituer un village de 9 cartes. Choisissez bien, les cartes créent des combinaisons entre elles en fonction de leur position et de leur couleur. Chaque carte est unique et les possibilités sont multiples. Pour offrir un cadeau à sa moitié ou un duo, ne passez pas à côté de Duel pour la Terre du Milieu. Fusion géniale entre le Seigneur des Anneaux et Seven Wonders Duel, le jeu offre 3 façons différentes de gagner pour créer une tension palpable pendant toute la partie. Conquérir la Terre du Milieu, obtenir le soutien des peuples ou détruire l'anneau unique, vous n'allez pas vous ennuyer. Et puis Gandalf ressemble un peu au Père Noël, non? Pour un cadeau jouable directement en solo, découvrez Ella et l'éclat de la montagne. Incarnez Ella et lancez-vous dans une aventure narrative, merveilleuse et émouvante. Collectez des ressources, résolvez des énigmes et découvrez cet univers riche et passionnant qui évoluera partie après partie. Même si le jeu semble tout mignon au départ, attendez-vous à vivre des moments plutôt matures, ça jette un froid, hein? Et voilà pour la sélection courte. Pour plus d'idées en fonction des personnes et du budget, retrouvez la sélection étendue sur notre site. Et joyeuses fêtes! Ho ho ho!